Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour un mini XXL, donc en deux épisodes découvertes, sur la démo de Survival Machine, un jeu de survie comme son nom l'indique. Survie sur cette grosse machine qu'on voit à l'écran, qui va avancer plutôt lentement, sur laquelle on va pouvoir en fait faire notre base et construire tous nos ateliers, tout ça, tout ça. Et sur les nuits, devoir se défendre de hordes de zombiaques moches et pas très beaux, normal vu qu'ils sont moches, qui vont vouloir notre peau, hein, comme tout bon jeu post-apo avec des zombies qui veut ça. Alors, c'est une YouTube première. Je serai peut-être dans le chat avec vous, en tout cas pour le démarrage, pour faire un petit coucou. On verra bien. Vous aurez la suite aussi en YouTube première demain. Même heure, même endroit, bien sûr. Le jeu est prévu pour une sortie en 2025. Pas de prix forcément à annoncer. Il est prévu pour sa sortie en français, parmi d'autres langues. Une sortie en Early Access, développée par Grapes Pickers, édité par Games Operators. Sacré nom, tout ça. C'est un jeu de survie solo et coop. On peut jouer à la manette et on peut rebind les touches même sur cette version démo. Les options d'ailleurs qui sont plutôt complètes. Je vais juste revérifier en fait cette histoire de langue parce que c'est vrai que je me focalise pas trop là-dessus en général quand je. Non, il n'y a pas le choix des langues encore pour le moment. Donc ce sera en anglais. Et donc bah, on est parti pour une nouvelle game. Alors j'espère que le contenu de la démo permettra de faire deux épisodes. Et donc, vous voyez que le. C'est marrant ça parce que souvent les démos, il n'y a pas de multijoueur. Bah là, c'est disponible. Nous, on va. Alors, ça, c'est quoi ça? Aventure, difficulté, single player, ce sera très bien. Nom du monde, Soma's Machine. Ouais, pourquoi pas. Tout ça, ça s'en change pas. Eh bien, je pense qu'on est bon. Hein. Alors, j'ai joué un personnage féminin. Je sais pas si on peut le changer, ça. À la rigueur, je m'en fiche un peu. C'est pas bien grave. Switch caractère. Ah, d'accord. Ok, il y a des presets prédéfinis. Il n'y a pas grand-chose qui m'a. Oh, allez, on va faire avec celui-là, c'est rigolo. Et on est parti. Alors on est sur un espèce de jeu en low poly, mais qui est vraiment bien finalisé, je trouve. Enfin, c'est vraiment bien fichu. Ok. Ouais, les zombies qui sont là, hein. Je peux pas le ramasser. Ok, c'est F, l'interaction. Ok. Press tap to open your. Ah oui, d'accord. C'est vrai que si je suis pas les quêtes. Hein. Alors, tant qu'on y est et qu'on est tranquille. En haut à gauche, le moment de la journée, les suivis de quêtes. En bas à gauche. La vie, la stamina, apparemment. En bas au centre, les raccourcis clavier, comme d'habitude. Et en haut à droite, le core components. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et des petites aides de clavier côté droit. Très bien. Donc là, on me demande d'ouvrir mon inventaire et de manger la pomme, en gros. Voilà. Ce qui a permis de nous régénérer. Et maintenant, ok, je dois faire ceci. Et jumper dans le tunnel. Ça roule. On va faire ça. Je peux. Non, je peux pas éclater les. C'est dangereux ce truc. Je peux pas éclater les tonneaux. Spacebar to jump. Ok. Il y a un truc là? Ça brille. Je vois de la brillance, non? Pas du tout. That's it. Sprinting is a great way to escape from zombies, and it also lets you jump much farther. Oui, d'accord, mais bon. Encore faut-il que mon perso le veuille. Merci. Yeah, I saw that ah, les horde of champis. zombies banging on your hut.
And I thought that I can't leave a fellow survivor like this, can I? Oh, by the way, my name's Pavel. I'm the machine driver. We're much more likely to survive if we team up. C'est marrant ces petites lumières bleues là qui brillent. Mais bon, y a rien du tout. Non. Ah. Ok. Alors, press F to pick up some flint et add some stick. You've got to refuel the furnace if you want that machine to be operational again. Ouais, t'inquiète. Hein. Basic items can be crafted anywhere in the world, but you want the more advanced ones? They're going to require specialized structures on the machine. Là, on me demande de crafter une hache. Donc, l'inventaire. Avec des slots, 3, 6, 7, donc 14 slots. Une main gauche, une main droite, pas d'équipement particulier sur le personnage. Ensuite, on a les settings et on a surtout le craft. On me demande une hache. On a aussi un club, une espèce de petite masse, une torche, une slingshot, un lance-pierre, je vais y arriver. Et un marteau en bois qui soit peut-être servir pour la réparation. Et voilà, c'est ça. Ok, et la recette de la hache qui est bloquée. Faut que je trouve la recette, d'accord. Donc en l'occurrence, on nous demande ceci. Nickel. La hache, on va la mettre là. La torche, je sais pas si ça va servir. Je vais la mettre là pour l'instant. Donc j'imagine qu'il faut que je pète ça. Oui, le symbole de la hache, de toute façon. Ok. Maintenant je peux les péter, étonnant. Non, toujours pas. Très bien. Alors, durabilité sur les outils. Sur l'équipement. Ici, on récupère du close et de la fibre. Ok, ah bah on remontera pas à l'intérieur, hein, clairement. Donc on me demande d'appuyer sur O pour switch de quête. Et à nouveau O pour retourner à la quête précédente. Ok, et là je dois faire du bois. J'ai pas l'habitude que ce soit F les touches pour... Ça fait bizarre. Bon, ça, le bois est généreux. J'ai mes 20 de bois. On me dit d'utiliser une échelle pour monter sur la machine. On va faire ça. Des petits trucs à ramasser à droite à gauche. Alors, je dois refuel la fournaise pour oui, pour pouvoir démarrer. Calme-toi, Jean-Michel, ça va bien se passer. J'explore. Pas un peu le but du jeu. On peut pas péter les caisses, c'est trop bizarre. Très bien. Eh ben, on pète pas les caisses. Moi j'ai trouvé pas mal de brindis et de... Oh, des fibres 22 encore, ça va. Je pensais que j'en avais pas tant que ça, mais... Bon, on va faire ce que le monsieur nous demande. Donc cet engin est piloté par quelqu'un. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Il y a plusieurs accès. Ah,
L'échelle est cassée. Va falloir remédier à ça. Un stockage. Très bien. Alors, ceci n'est pas valable dans la démo. Enfin, n'est pas accessible. Ok, c'est une map. Enfin, ça a l'air d'être une map. Ok, je peux pas. Qu'est-ce qui était marqué? Je peux pas sauvegarder avant la fin du tuto. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Qu'est-ce qu'on me demande de faire là? Get the furnace below the deck and add. Ok, je dois mettre du bois dans la fournaise. Ouf. Ouf. Alors, ok, on va pouvoir upgrade ou mettre des choses sur notre engin de la mort. Ça c'est quoi? Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un scanner ça? C'est un sonar pour détecter des choses? Non. Alors là, je débloque des trucs, mais je sais pas à quoi ça sert. Ah, la fournaise. Comment on fait glisser? Stock. Oui, ça, j'ai bien compris. Ouais. Là, il me lève zéro. Un bois, c'est 26 minutes. Mais pourquoi je peux pas... Je comprends pas. Ça sent pas une fournaise en même temps, ça. C'est ça qui est bizarre. Ah oui, d'accord. C'est pas du tout ça. Mais du coup, ça, je sais pas ce que c'est. Je comprends pas ce que c'est, ça. Ben, pardon. Pas ça non plus. Ce sera peut-être expliqué plus tard. Ne cherchons pas trop loin les choses. Suivons le tuto. Ah oui, les minutes, c'est pas des minutes en fait. Ah ouais, c'est. Ouais, store. Ah oui, les minutes, c'est des secondes en fait. Très bien. Là, on me demande de craft un wood club. Ok. Et on me demande d'utiliser E sur le quai. Ouais, d'accord. Control to dodge. Okay. Press Q while using the club to perform a melee attack. Et RMB while using. Pour bloquer. D'accord. Craft a wooden sling. On va tout me faire craft en fait. Hein. Alors ensuite, faut que je l'utilise. Donc presque Q. Donc ça n'a pas besoin de munitions à hein, première vue. Alors trouver et combattre deux zombies. Mais il fait nuit déjà. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça. Alors, trouver et combattre deux zombies. Alors, je vais prendre plutôt la massue. Alors, elle a pas démarré la machine. Hein. Ok. On va aller voir là-bas, tiens. Si on trouve des ressources. Peut-être faire du bois aussi en même temps, parce que mine de rien, les minutes qui sont en fait des secondes, voilà quoi.
Ah, je peux pas apprendre. Je sais pas du tout où je vais trouver les zombies. C'est marrant parce qu'on dirait qu'en fait les ça et ça c'est la même chose. Très bizarre. Moi je suis sorti de ce côté. Alors, ils sont où les zombiacs? Aucune idée. Il y a eu un bruit bizarre. C'est marrant parce qu'il y a la sensation que ça me fait là, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plein de trucs qu'on peut fouiller et en fait on peut pas du tout. Je sais pas où aller pour les trouver ces zombies moi. Ah, j'en vois là. Il faut une pioche. Je n'ai pas de pioche. Salut les moches, comment ça se passe? Ça, viens me voir toi. Voilà. Ok. Ah mais je suis mort, sérieux? Ok, super. Là ils sont contents en plus. Eh ben ça commence fort. Ok, on respawn ici. Ah, est-ce que j'ai perdu? Ah oui, j'ai perdu tout mon inventaire. Oh, chouette! Je suis trop content. Alors, j'ai que deux cœurs. Ah ouais, non, ça part. J'ai dû faire nappe au niveau du combat. Je sais pas trop. Si elle est en mode bourrin. Alors, par contre. Est-ce que je suis reparti du bon côté? J'en ai pas la moindre idée. Ça, c'est très con, ça. C'est démarrer comme ça. Et je vais repasser par là-haut pour être sûr. Un autre truc que je comprends pas, c'est... On peut courir à l'infini, en fait, à première vue. Je vois pas à quoi servent les trois petits éclairs, là, sous la vie. Pour le moment. À première vue, on peut courir à l'infini. N'y a pas de souci de ce côté-là. On n'a pas d'indication de notre mort. Je crois que c'était là, mais... Mais en fait, non. Alors ça c'est très con. Je sais pas du tout où je suis mort en fait. Les deux côtés se ressemblent tellement. Parce que c'est pas comme si j'avais loot pas mal de petits trucs quoi, donc si je pouvais éviter de tout refaire. Et puis il faut que je tue mon deuxième zombie de toute façon pour la quête. Donc en fait ça devait être ce côté. Allez, allez. Ok, c'est bien ici. Alors il y a des tombes. Ah. Ah putain, ils m'ont vu tous les deux.
Non? Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, toi, viens là. Alors, je peux faire ça. Efficace, hein? Je comprends pas. J'ai deux cœurs, je prends un coup, je meurs. C'est un délire. Bah, je vais être très nul. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Du coup, par contre, je sais toujours pas de quel côté je dois aller. Pour récupérer mon corps. Je pense que c'est plus par là. Oui, bah ouais, bah il n'y a plus de jus dans le truc, bah ça va attendre. Hein. Là, j'en ai tué aucun des deux. Essayer de récupérer mon stuff. Take all. Si je pouvais avoir, si je pouvais éviter d'avoir deux zombies en même temps sur le dos, déjà, ça m'arrangerait. On va retenter, hein. Putain, mais je prends tarif en fait, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Use B on the keyboard and build the barrel. Use B. B. Sur le tableau. Alors, est-ce que c'est chez sur le véhicule? Sur le tableau. Réparer la machine. Oui, d'accord que je peux pas crafter un baril ici, non. Qu'est-ce qu'ils appellent le tableau? Build a storage space. Bon, il faut que je sois ici. Ah, d'accord, ok. Donc la zone de construction, c'est ici. On me demande un baril. C'est là. Là. Ah oui, mais j'ai mis tous les logs. Oh putain. Du bois. Alors sur la première nuit, on avait eu d'attaque. Je sais pas à quelle nuit ça se déclenche. Enfin, on est mal barré, hein, parce que vu comment je me bats. Donc on y remonte. Je vais en faire un peu plus du bois. Ah, j'ai ma hache qui est quasi morte. J'ai plus de hache. Crafting. Hache. Reviens ici. Très bien. Je prends la fibre que je vois. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne suis pas sûr. Mais bon. Alors, un truc de stockage. On va le mettre. On va le mettre. Bon, on va le mettre ici. Craft un marteau. Ok. Equip and use the hammer to fix the machine core component.
structures. Let's go ahead and make one now. Remember, we can't let the core components get destroyed. Le levier de vitesse. That would mean we're done. Now, you know everything you need. From this moment on, oh, ça y est, on avance. Complete all tasks with your companions. Wow, ouf. Everything's working. Oh, on est à fond. Use the speed lever so we can finally get moving. Utilisez le livre dans le cockpit pour sauvegarder votre partie. Just use the book. You can't do it during the nights when we're attacked, though. Hey, nice job so far. But our fabric scrap. J'ai oublié une workbench, mais j'ai pas de fabric scrap. Où est-ce que j'ai trouvé de ces trucs? Ah, sur les zombies peut-être? Oh non. Non, je veux pas. Ah, je pourrais peut-être utiliser le lance-pierre pour voir un peu comment ça donne. Ah, mais ils sont tellement nombreux. Ok, je touche pas d'ici. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fuit? Okay. Effectivement, c'est eux qui donnent du fabric. Très bien. Ouais, donc on a le temps. Ça, c'est cool parce que la machine, je pense, enfin, la machine, je sais pas comment on veut appeler ça, mais ça avance tout doucement. Ça laisse le temps de descendre et de farmer des trucs. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, on me demande de crafter une workbench. Une workbench. Est-ce que c'est ça? Pas du tout. Sawmill, workbench. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça là. Alors, ça a l'air d'être comme ça. B. Non, B. Merci. Pourquoi elle est rouge? Ah, c'est la lumière qui fait ça? C'est la lumière qui fait ça. On nous demande de crafter un bouclier. Bouclier, ok. Du coup, si je... Putain, par contre, pour l'organiser... On a si peu de raccourcis, l'organisation des touches... c'est un enfer, en fait. On va faire ça comme ça. Mon bouclier, comment je m'en sers? Comme ceci. Ok, je peux bloquer à première vue. Alors, je sais pas, j'ai deux petits boucliers, j'en avais qu'un avant. Ça permettrait peut-être de bloquer deux boucliers. Crafter une épée en bois. Une épée en bois. Ici. Ah, et bah, il me manque du bois. Toujours le problème. On n'a pas de bois. Pas comment régène ma vie. Quand on démarre le jeu, on récupère une pomme qui nous sert en huile, mais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh. Les baies pour se soigner? Oui. C'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Les ai jetés. Mais non, mais... Les zombies vont faire tout pour stopper la machine. Protéger ses components à tous costs. Ou c'est game over, man! Apparemment, ça a attaqué. Use. Faire ça. Alors, j'avoue, de nuit, on n'y voit pas grand-chose, mais bon.
pas eu le temps de craft mon épée. Remplaçons ça par ça. Survivre à une nuit de zombies. The zombies have started climbing up the vehicle. We need to act fast to get them off. Ok, ils sont en train de monter sur le véhicule. En même temps, il y a des échelles qu'on laisse à porter, donc. Alors, les zombies sont assez intelligents pour monter sur les. Sur des zombies échelles. Are on the deck. We're in for it now. Gotta act fast. J'ai clairement cané. Hein. A wave of zombies! It's heading straight for us! Ok, j'en ai eu 4. Hop. Et pourquoi je peux pas manger ma baie? Je comprends pas. The zombies have started climbing up the vehicle. We need to act fast to get them off. Ouais, mais j'essaye, hein. Donc là, ils sont arrivés par l'arrière. Allez, voilà. Je vais mourir. Ah! Heureusement que j'ai trouvé les baies tout à l'heure, hein, parce que sinon. Ok. Première vague, ils étaient 4. Deuxième vague, ils étaient 6. Et mon épée est quasiment morte. Est-ce que je peux en refaire une? Oui. J'ai pas besoin de ma hache, donc je vais mettre ça là. Zombies are on the deck. Oh là là, encore. Okay, on les a eu aussi ceux-là. Ok, c'est fini. Ouf. Eh bien, on va se remettre notre dernier cœur. Alors, collectez votre récompense depuis le coffre. Ça doit être ça. Let's turn resources into materials. Okay. 16 fabriques scrap et 12 cibles. Très bien. Ensuite, on nous dit construire la sawmill. Donc là, il me manque du bois et des cordes. Alors, comment on fait des cordes? Parce que ça se craft ici. Oui. Il en faut 15. F craft 5. Ok. Ça utilise quoi comme ressource? Du fabrique et des fibres. Très bien. Ensuite, il me faut du bois. Est-ce qu'il y a des moches en bas là? Il n'y en a pas, mais bon. Il me faut ma hache. Je mets là. Ça, je le mets là. Toujours en galère de bois en fait. Hein. Et alors. Non. Alors si je bloque, ça fait quoi? Ah. Mince, j'ai pas assez de place sur moi. Le mec, le zombie, il a des planches là. J'ai pas eu de planche encore. Hein. Je trouve le. Je vais aller stocker dans mon baril. Les trucs qui me servent pas pour l'instant, genre. Les champis, la pierre, ça.
Ça, je peux pas l'équiper de façon. Et je vais aller chercher ces planches que j'ai durement gagnées. N'est-ce pas? Ok. J'aimerais bien me refaire un peu de bois. Ils veulent pas me laisser farmer, hein. C'est un truc de dingue. Alors est-ce que quand j'ai aggro comme ça, ils me suivent jusqu'à haut de mon truc? Ça a pas l'air. Eh bien, du coup les loulous, on veut faire une sawmill maintenant. Alors la sawmill, je suis tombé dessus tout à l'heure. Voilà, c'est ça. On va la mettre là. Clairement, nous servir à faire des planches. Hein. Je vais en faire 5 planches. Du coup. Alors attendez, si je mets ça là. Ah, ça travaille tout seul. Ok, nice. Ça se fait tout seul. En attendant, je vais retourner faire du bois. Ah, il faut. C'est marrant qu'on n'ait pas le plan de la pioche en fait. Enfin, que ce soit pas un craft de base, c'est ça surtout que je veux dire. Bien sûr, on peut arrêter de. On peut décider d'arrêter. On peut aussi décider, je pense, d'arrêter le véhicule, hein, si on veut farmer une zone. Là, il y a des pommiers, ça m'intéresse. Mais j'ai plus de hache à nouveau. Et il me faut du flint pour faire une hache. J'ai posé toute ma flint. Oui, bah c'est pas grave. Calme-toi, Jean-Michel. Tu vas t'en remettre. Bon, on a 18 baies. Alors, c'est cool quand même qu'une baie redonne un cœur entier. Ça aurait pu ne pas être le cas. Par contre, j'ai clairement pas de silex. Je vais aller chercher mes silex. J'ai envie de voir les pommiers là. Parce que si ça donne des pommes, ce serait logique, mais bon. Alors, silex. Poser ça, les planches, je vais les poser, la corde, je vais la poser, le fabric, je vais poser. Bah, je vais tout poser. Et puis on fera au fur et à mesure. Juste garder ça en fait. Crafting. Hache. Pas sauter du bon côté. On peut pas passer sous le véhicule. Quel loupé. Ça, on peut pas les prendre ces champignons là.
Alors, il faut tuer quelques zombies pour avoir du fabric, hein. Bon, du coup, les pommiers, c'était de l'autre côté? Je pige pas. Il y a un truc que je comprends pas sur ce jeu. J'arrive pas à me repérer. Oui, ils sont là-bas, les pommiers. Allez, go. On va essayer de finir en tuant du moche. L'épée est quand même bien plus efficace hein, pour se battre que la massue. Ça, c'est plutôt cool. Je l'avais pas vu, mais... Ah, il m'a touché, hein. J'ai pas eu de pomme. Ah! Ok, il y a du monde. Par contre, on est d'accord qu'il y en a un qui a des pops là. Hein. Alors, les petits POI comme ça, il n'y a rien à loot. Oh, je suis tristesse quand même. Donc, les pommiers ne donnent pas de pommes. Par contre, il y a du zombiac, hein. J'ai intérêt à manger. Voilà. Prendre tout ça. Ok. Alors, c'est plutôt bizarre. Bon, j'ai pas eu de bol sur le drop. Bah, ça donne pas de pomme. Ok, bon. Eh bien, tant pis. Ils arrivent toujours à mettre une patate quand même. Mais bon. Alors là, on doit construire un lit. Donc forcément, pour respawn, je suppose. Même si on respawn dans la structure, en fait, enfin dans le truc. J'ai mes planches qui sont faites là. Ah oui. Ok, et du coup on va s'arrêter là-dessus les loulous. Je vais construire mon lit. Qui est ici et que je vais mettre. Alors ça fait chier de construire ça comme ça à l'arrache, mais. Rotate. Ready to build some walls? They're going to be the perfect foundation for your house. Walls also give you better protection against zombies. You've got to refuel the furnace if you want that machine to be operational again. Ok, donc là on va me demander de construire un mur. Bon, pas de problème. On verra ça au prochain épisode, les loulous. Voilà. Donc, bah vous me direz un peu ce que vous en avez pensé. Enfin, je suppose que vous en aurez discuté dans le chat de cette YouTube première pour ceux qui étaient présents. Mais pour les autres, bah, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve demain, toujours en YouTube première pour la suite. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.